Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kaka Déby se réconcilie avec succès Masra. Bravo! Il n'y a pas de mieux que deux frères qui s'entendent pour gouverner ensemble, pour gérer ensemble le pays, pour faire avancer une cause. Eh oui, la déclaration a été faite à Kinshasa par Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, l'homme que la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avait désigné pour mener les négociations en tant que médiateur pour la paix, le retour à la démocratie, à comment on appelle ça, à la réconciliation de tous les Tchadiens. Il l'a annoncé à Kinshasa aujourd'hui là même, ce 31 octobre 2023. Mais il y a une chose que vous devrez comprendre. C'est-à-dire que c'est ça qui est malheureux chez nous, hein, les Africains. C'est que, en fait, Tshisekedi n'a fait que mettre le cachet. Boum! C'est moi qui ai fait le travail. Mais ce n'est pas lui qui a fait le travail. Attendez, je répète. Quand Succès Masra a quitté le Tchad pour se rendre, hein, pour éviter les représailles, il est allé où? Vous avez vu Succès Masra prendre la direction de Kinshasa? Non, arrêtez de jouer comme ça. Succès Masra est parti passer des mois, presque un an. Il était entre les États-Unis et l'Europe. Ah, non, je veux vous rafraîchir la mémoire. Succès Masra, quand il a quitté le Tchad, il n'est jamais parti à Kinshasa. Il est allé en Europe et aux États-Unis. Il était entre les deux, la Méditerranée et l'Atlantique plutôt. Et il circulait là, autour de l'océan Atlantique. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Parce que c'est là-bas que les choses se sont passées. Tshisekedi n'a rien vu. Si c'est un médiateur, pourquoi il n'a pas arrangé chez lui-même? Succès Masra est venu au Congo démocratique à la demande de Macron. C'est une escroquerie politique. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est une escroquerie politique. Je veux vous dire pourquoi. Vous savez que, je regardais mes vidéos, vous allez voir que quand j'ai parlé du dernier voyage de Kaka Déby à Paris, je vous avais bien précisé qu'il partait pour négocier. Macron voulait mettre les deux hommes là ensemble pour travailler pour lui. Attendez, Macron voulait mettre les deux hommes ensemble. Macron a besoin de ces deux larbins pour faire les choses, parce que Macron a besoin du Tchad.
c'est le dernier verrou. S'il quitte le Tchad, il n'a plus ni l'Afrique centrale, ni l'Afrique de l'Ouest. Attendez, je reprends. Malgré sa présence en Côte d'Ivoire et au Sénégal, s'il quitte le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont tomber très rapidement. Donc Macron n'a aucun intérêt de perdre le Tchad. Et pour réussir, il faut que et l'opposition et la mouvance, le pouvoir en place, puissent le soutenir. C'est ce que Macron est en train de demander. Vous avez entendu Succès Masra dire que c'est lui qui a sorti le mot. L'armée française est une armée sans domicile fixe. Succès Masra. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui fait la politique. C'est lui. C'est à une puce à l'oreille que si vous ne m'aidez pas, si vous ne faites pas rentrer dans le système, moi je veux mobiliser. Puisque les gens m'écoutent, j'ai une voix qui passe. Je suis influenceur. Je veux demander à ce que vous puissiez quitter le Tchad. De l'autre côté, Kaka Déby, il a besoin du pouvoir. Et ce pouvoir, comme je l'avais dit dernièrement déjà dans cette vidéo, cette même vidéo, que Kaka Déby croit que le pouvoir, il est à Paris. Non, il n'est pas à Paris, il est à N'Djamena. C'est pour ça qu'il est allé là-bas. Et pour que la France puisse se maintenir encore au Tchad, elle a besoin de l'opposition et du pouvoir en place. Succès Masra, en acceptant, en s'alignant dans cette ligne droite de Macron, il doit faire aussi des concessions. Les deux doivent faire des concessions. La plus grosse concession, c'est laquelle? C'est l'armée tchadienne. Elle ne va plus quitter. Ça dit que les Tchadiens vont d'abord mourir avant que cette armée quitte le Tchad. Macron a réconcilié les deux. Macron ne pouvait pas prononcer ça là-bas, à Paris. Ça n'aurait aucun effet en Afrique, notamment au Tchad. Ça n'aurait aucun effet. Personne n'allait écouter. Au contraire, on allait rejeter les deux. Et Kaka Déby et Succès Masra. Emmanuel Macron a compris la leçon. Vous avez vu comment il est allé au Congo-Brazzaville? Il est allé là, sur la pointe des pieds, en cachette. Parce qu'il sait qu'il ne doit plus se présenter ouvertement. C'est pour ça qu'il a pris la patate chaude, il l'a mis dans les mains de Tshisekedi. Et Tshisekedi vient prononcer la réconciliation. Pour la réconciliation, c'est avec Succès Masra. Succès Masra, c'est un opposant, ça c'est la démocratie. On n'a pas besoin de réconcilier des démocrates, que je sache. Bon, je ne sais pas, les nouveaux démocrates là, les démocrates à la compromis à l'africaine, oui, il faut les réconcilier. Mais les démocrates, on les réconcilie pas, puisqu'ils ont des points de vue. Il discute, il parle. Succès Masra est un opposant. Il n'a pas à s'inquiéter. La réconciliation, ce serait avec le FAC. Ils sont toujours là à Paris. Hein? Les grands patrons là, du FAC, ils sont là à Paris. Ceux qui ont tué, quand on accuse d'avoir tué le président, ce n'est pas eux. C'est Macron lui-même qui a tué le père de Kaka Déby. Kaka Déby ne connaît pas. Mais moi, je vous informe, c'est Macron qui l'a tué. Alors, bref. Vous voyez, Tshisekedi va réconcilier. Ceux qui sont réconciliés déjà, naturellement. Parce que le combat politique, ça n'a rien à voir avec le combat militaire, non? Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils disent, oh, il peut rentrer, le mandat d'arrêt n'a plus de sens. Donc, les gens qui sont morts, là, c'est pour rien du tout. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que ceux qu'on a tués, là, ce n'est pas le gouvernement qui les a tués, ce n'est pas l'opposition non plus. C'est le troisième larron. C'est la France qui a tué pour mettre les deux en opposition, pour allumer le feu. Mais c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils le font aussi au Sénégal. Ils ont fait ça au Sénégal. Ils ont fait pareil. Voici la preuve. Parce que pourquoi quelqu'un qui est poursuivi, maintenant, les négociations disent non, la décision de la justice, là, on n'a plus besoin de le poursuivre. C'est maintenant dans un système, un plan de négociation, de réconciliation, que la justice ne doit plus se faire. Non, 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 c'est faux. Surtout quand il y a des morts, la justice doit se dire. On doit savoir ce qui s'est passé.
Mais parce qu'il ne faut pas qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que si on creuse loin, on va comprendre que c'est la France qui est au-dessus de tout. Et la France, comme elle tient les deux, succès Masra et Kaka Déby, puisque les deux veulent le pouvoir, finalement, ils vont tout faire pour que on les mette ensemble. Bon, un est président, l'autre est premier ministre. Ou bien, Kaka Déby va transmettre le pouvoir tranquillement à succès Masra, et puis lui sera intouchable. Mais ce sera pour combien de temps? Le temps que Emmanuel Macron change d'avis, parce que si ses intérêts sont menacés, il va le tuer, comme il a fait pour son père. C'est aussi simple. Ou bien il va le lâcher, comme les Américains ont lâché Zelensky. Vous voyez, il n'y a pas eu de négociation à Kinshasa. Les négociations, là, la réconciliation entre Kaka Déby et succès Masra, s'est faite à Paris. C'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron attend le retour de l'ascenseur. C'est lequel? Sa présence. La présence des militaires français au Tchad. Voilà comment on est en train de jouer avec nous. Et Tshisekedi, qui croit que c'est ça qui va lui donner la force pour régler le problème dans son propre pays, parce qu'il pense que les Français sont en train de faire pour leurs intérêts. La France ne veut pas quitter le Sahel. C'est vrai qu'elle a quitté la partie essentielle du Sahel. Le Tchad, elle va finir par partir. Ce n'est pas parce qu'elle est en train de faire tout ce cinéma-là que la France va rester au Tchad. Mais pourquoi Tshisekedi n'a pas déclaré que la France doit rester éternellement au Tchad? Puisque c'est lui le médiateur. Il est le médiateur pour la paix, non? C'est lui qui doit rapporter la paix. Il n'a qu'à décider aussi. Il n'a qu'à décider, on va voir. La paix en question, c'est avec deux personnes, alors qu'ils sont 15. Où sont les rebelles? Vous avez vu les rebelles à Kinshasa? Et Tshisekedi a été nommé. Ce n'est pas pour ça. Parce que Tshisekedi a été nommé avant les événements d'octobre 2022. Vous voyez pas un peu le deal? Tshisekedi a été nommé à la mort du père, du maréchal. C'est là que Tshisekedi a été nommé médiateur. Donc, la médiation de Tshisekedi, ce n'est pas réconcilier Kaka Déby et succès Masra, enterrer les crimes supposés de succès Masra selon le gouvernement. Non. Pour lui, c'est pas ça. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est ceux qui ont tué les Fatahs. Au lieu d'aller au Qatar, il serait parti à Kinshasa. Vous avez vu qu'ils avaient oublié Kinshasa? Ils sont allés au Qatar. Le Qatar, là, c'est le parent le père d'Al-Qaïda. Le Qatar. C'est le Qatar qui est à l'origine des groupes terroristes que vous voyez, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et l'un a créé Al-Qaïda, l'autre a créé État islamique. Et ils travaillent pour les Occidentaux. Il y en a même au Congo démocratique. Donc Tshisekedi est en train de jouer avec le feu. Ne regardez pas, n'écoutez pas ces bêtises-là. C'est Macron qui a tout fait et il a fait endosser ça par Tshisekedi. Et comme Tshisekedi, c'est un mouton, Tshisekedi lui-même, il est issu d'un même type de compromis à l'africaine, comme ce que Macron vient de faire entre Kaka Déby et succès Masra. Ça, c'est l'objet même du voyage de Kaka Déby à Paris. Si vous regardez bien les événements, succès Masra déclare ça, son retour. Kaka Déby sort le mandat d'arrêt qui était là depuis longtemps, que les Français connaissaient. Puisque c'est un mandat d'arrêt international. Les Français le savaient. Ils n'en avaient pas parlé. Maintenant, pour tenir les deux, et Kaka Déby et succès Masra, on les tient par les couilles, on les tient, on avait, bon, toi là, tu as le problème avec la justice. Hein. Donc si tu ne fais pas ce que nous on te demande, nous on te livre à la justice. Toi là, toi tu as tué des gens. Nous les avons tués, on a mis ça sur ton dos. Tu sais que les Tchadiens disent que c'est toi qui les as tués. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, nous on te... Vous deux, vous devez travailler pour moi. Vous avez compris les enfants? Oui, papa. Leur papa, là, c'est Macron. De Kaka Déby et de succès Masra. Oui, papa. Ils ont accepté. Et voilà maintenant que succès Masra peut rentrer
au Tchad. Et tous ceux qui sont morts gratuitement. Ça, c'est l'œuvre, la spécialité des leaders africains, civils et militaires. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabako, Hervé, Yamalem. Je suis seulement triste de voir qu'on continue à rouler le peuple tchadien dans la farine. Mais ce que je peux dire à ce peuple, à cette jeunesse, c'est de ne pas désespérer. Un peuple qui est déterminé finit toujours par obtenir ce qui lui revient de droit. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.